l'humanité, toute la création du Seigneur. Dans cette célébration, il y a quelqu'un qui veut nous rencontrer sur le chemin de la vie. Il est le ressuscité, il est Jésus. Il est venu nous ouvrir la porte de notre cœur à travers sa parole et nous allumer à travers sa présence. Merci d'être la présence de Dieu. Merci d'être missionnaire après avoir écouté cette Eucharistie, la parole de Dieu, et partagé son pain de vie. Merci pour prier ensemble pour Marcel Desforges, recommandé par Roger et Lorraine Lavoie, pour Lucien et Diane Dupuis par les parents et amis, pour Roland de Sabourin par les parents et amis, pour Marie-Paul Saint-Ange par Julie et Michel Boulris, pour Yvan Savage par Gaëtan et Paul Pagé, pour Hébert Lalonde par la communauté, pour Gérard Marcille par la communauté. Nous prions aussi pour quelques personnes qui sont parties et qui attendent des célébrations pour leurs funérailles. Nous prions pour Gérard Perruste, pour François Montpetit, pour David Lortie et pour toutes les personnes qui sont parties, qui nous ont laissées durant ce temps de coronavirus, de ce temps de confinement. Nous prions aussi pour Rivière-Étienne et pour tous ceux et celles qui partent, qui laissent cette terre aujourd'hui vers l'éternité. Pour que nos cœurs soient bien disposés à célébrer l'Eucharistie invoquant le Christ Jésus, il entend nos prières et est toujours empressé de nous pardonner. Seigneur Jésus, toi qui chaque jour marches avec nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui en tout temps nous offre le pain qui fait vivre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi en tout temps nous offre le pain qui fait vivre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Je suis un peu.
le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais sa force et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préciseance de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frère, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau, sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples en faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha. Et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-là. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui était arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant, par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, et ils l'ont fait condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin.
mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'est-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la faction du pain. » En ce moment même, il y a d'autres célébrations, il y a d'autres personnes qui suivent d'autres célébrations sur Radio-Canada et d'autres célébrations peut-être dans d'autres pays où il y a des célébrations en ce moment. C'est-à-dire que nous avons un éventail de possibilités pour accueillir la parole de Dieu aujourd'hui. Et je félicite toutes ces personnes qui ont pris du temps durant cette journée pour rendre gloire à Dieu. Quels que soient les moyens qu'on a choisis, c'est un moyen efficace, formidable, pour remercier Dieu. Deuxième chose, malgré notre confinement, nous sommes toujours en communion les uns avec les autres. Et c'est pourquoi je vous demande d'appeler quelqu'un, de prendre le téléphone, appeler, comme le font si bien les politiciens. Restez chez vous, restez, c'est répété chaque jour, restez chez vous, restez chez vous. Alors moi, personnellement, je ne dis pas seulement de rester chez vous, moi je vous le commande au nom de Jésus, de prendre le téléphone, de téléphoner à quelqu'un pour lui dire, on compte sur toi, on est encore en communion, on prie pour vous, on prie pour les communautés, on prie pour les aînés, on prie pour les personnes qui travaillent avec nos gens malades. Alors, troisième chose, c'est que nous avons la possibilité de vous offrir des célébrations en direct. C'est-à-dire, de chez vous, vous êtes en communion avec cette célébration, vous êtes en communion avec Jésus. Alors, tout ce que je vous demande, c'est de dire, Seigneur, ce temps, ce moment que je prends, c'est précieux, je le prends pour communier avec le Christ ressuscité, marcher avec le Christ ressuscité. Alors, s'il y a, vous avez un téléphone, ce serait bon de le fermer, quelque chose qui peut nuire à votre méditation, ce serait bon de le mettre à l'écart, parce que c'est un moment spécial pour Dieu. Merci d'entendre ce bon message d'espérance et en même temps de nous introduire dans le cœur de Dieu. À chaque célébration eucharistique, nous sommes unis avec Dieu, avec toute l'Église entière pour partager deux choses. Le pain de la parole de Dieu et le pain de vie. Et l'Église reprend exactement cette formule des disciples Emmaüs pour constituer son Eucharistie. Vous devez savoir, l'Église continue à célébrer ses célébrations à partir de ce schéma
Tout d'abord, la parole de Dieu qui nous ouvre, la parole de Dieu qui nous ouvre à la vie, la parole de Dieu qui nous ouvre à l'amour, qui nous fait brûler d'amour. C'est la première partie que l'Évangile nous raconte ce matin. Jésus parlait, retournait à la source de Moïse jusqu'à la fin pour leur dire, voilà ce qui a été dit du Messie. Hein? Et les apôtres, les disciples disaient, notre cœur brûlait, brûlait d'envie, brûlait, la parole de Dieu brûle. Et la deuxième partie, c'est que Jésus veut rester avec eux par la fraction du pain. C'est très intéressant de comprendre le geste, ce qui se passe dans les symboles que nous trouvons dans l'Eucharistie, proprement dit, hein, les deux gestes, la parole de Dieu et le pain de vie pour notre nourriture. Mais il y a un troisième élément très important, c'est que les disciples, une fois qu'ils ont rencontré le Christ dans la fraction du pain, ils ont mangé le pain, eh bien, ils se sont mis en route pour retourner voir les disciples, les apôtres, et annoncer la bonne nouvelle. Alors, trois éléments, la parole de Dieu, l'Eucharistie et devenir disciple de la parole. Merci de comprendre cette façon de remercier Dieu quand nous célébrons l'Eucharistie. Et maintenant, regardons ce que les lectures nous disent aujourd'hui. Tu peux rentrer un peu dans l'exégèse de ces lectures. Vous avez remarqué certainement le parallèle. Je vous dis là, prenez attention, faites attention à ce que je vais dire. Entre les deux formules, il disait au verset 16, « Leurs yeux étaient aveuglés. Hein? » Vous avez bien écouté? Au commencement, il dit « Leurs yeux étaient aveuglés. » Et au verset 31, il est dit « Et leurs yeux, alors leurs yeux s'ouvrirent. » Au commencement, il y avait l'aveuglement, et au verset 31, leurs yeux s'ouvrirent. Ce qui veut dire que les deux disciples d'Emmaüs sont passés du plus profond découragement à l'enthousiasme, simplement parce que leurs yeux se sont ouverts. Leurs yeux se sont ouverts par la parole de Dieu. Parce que Jésus leur a expliqué les Écritures. Il part de Moïse, de tous les prophètes. Il leur explique dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Et regardez ce mot. Ce qui le concernait, le. C'est-à-dire, Jésus parle de lui-même. Même s'il ne l'a pas dit ouvertement aux apôtres qu'il était le Messie, aux disciples qu'il était le Messie, mais Jésus parlait de lui aux disciples d'Emmaüs, ce qui le concernait. Et qu'est-ce qui le concernait? Il fallait que le Christ doit mourir. Il fallait que le Christ, que le Messie doit mourir. On est d'accord? Que Jésus se dit lui-même Messie. On aimerait connaître un petit peu les textes que Jésus a utilisés, mais c'est impossible. Mais nous le savons que ces paroles ont ouvert la vie, la voie vers l'espérance. Il n'y a pas de plus grand, moi je dis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors je crois que Jésus a donné lui-même d'avance l'explication de sa mort lorsqu'il a dit à ses disciples, un jour, vous ne me verrez pas, et un jour vous serez dans la joie.
Alors, c'est-à-dire, il fallait que le Christ meure, que le Christ doit affronter la mort, jusqu'à affronter la haine, l'abandon, pour que nous découvrions que l'amour de Dieu est plus grand que tout amour. Et pour que nous découvrions jusqu'où va l'amour de Dieu qui est tellement au-dessus de nos amours humaines, alors Jésus se révèle dans l'Écriture. C'est-à-dire que sa vie tout entière est révélation et acte de cet amour du Père. Voilà. Ce que Jésus a révélé aux apôtres, c'est que tout ce qui a été dit de Moïse jusqu'à lui, c'est que cette parole est promesse de Dieu. Cette parole est communion, communication de Dieu à son peuple. Et aujourd'hui, frères et sœurs, mettons cette parole en pratique dans ce que nous vivons dans notre confinement. Faisons l'expérience d'un disciple d'Emmaüs dans notre propre vie. Nous devons parfois faire face à des situations humainement sans issue, comme les disciples d'Emmaüs. Leurs yeux étaient aveuglés. Un grand désespoir. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a que la mort. Alors Jésus vient marcher avec nous dans nos propres expériences de vie. Un grand espoir déçu, un deuil cruel, un échec cuisant, une maladie incurable, la fin d'une grande amitié, un revers de fortune, une calomnie, une médisance provenant d'un ami, d'une dépendance à la drogue, à l'alcool, au jeu, une infidélité désastreuse. Comme les disciples d'Emmaüs, nous rentrons à la maison, la tête baissée, le regard éteint. Nous sommes tous, à un moment ou à l'autre, sur la route d'Emmaüs. Aujourd'hui, je dirais que notre monde est sur la route d'Emmaüs. Nous nous retrouvons alors à la tombée du jour, quand la lumière faiblit et menace de s'éteindre, découragés et sans solution à nos problèmes. Nous continuons à avancer parce qu'il faut bien aller de l'avant. Il faut trouver une solution. Il faut sortir un jour de notre confinement. Il faut retourner la joie de célébrer ensemble dans notre communauté. La joie de célébrer, de partager l'espérance ensemble. Et c'est ça. Cette page d'évangile nous invite aujourd'hui, dans notre nuit de peur, de souffrance, il y a une autre nuit qui s'annonce, il y a une heure d'espoir. C'est à ce moment que Dieu veut entrer de nouveau dans notre vie. Il vient à travers un ami, un collègue de travail, un parfait étranger, un événement heureux ou malheureux. C'est là que Dieu veut entrer avec nous. Le Christ écoute avec attention nos histoires, nos mésaventures. Tu es bien la seule personne qui ne se rend pas compte de ce qui se passe. Dans la famille, ça va mal. Dans l'église, ça va mal. Le dimanche, nous ne sommes plus que quelques personnes à participer à l'Eucharistie. Dans le monde, ça va mal. Nous avons toutes sortes de problèmes avec la santé, avec le coronavirus, avec les gouvernements, avec les gangs, la mafia. Nous avons toutes sortes de situations. Et malgré ce confinement qui devait nous faire réfléchir, il y a des nations qui cherchent à construire leur arsenal de guerre, à profiter de ce coronavirus pour s'enrichir illicitement. Oui, le Seigneur vient marcher avec nous ce matin. Et le ressuscité, c'est quoi, mes amis? Notre rencontre avec Dieu. Le ressuscité veut marcher avec nous en tant que fils et filles de Dieu. Il vient écouter nos difficultés comme ces deux hommes.
Nous sommes aveuglés par la souffrance, nous sommes aveuglés par toutes sortes de peurs. Mais le Seigneur vient nous ouvrir ce matin à une lueur d'espérance. Il nous dit, un jour passera ce virus. Un jour, nous nous retrouverons ensemble pour fêter, célébrer et rencontrer l'unique personne qui ne nous déçoit jamais, le Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une page d'évangile extraordinaire. Et je vous invite ce matin à regarder dans chaque vie, dans ma vie personnelle, et combien de fois Jésus vient marcher avec moi. Et combien de fois nous l'invitons à manger avec nous. Hein? Reste avec nous, Seigneur. Reste dans nos familles. Sois le mobile, soit le but ultime de nos rencontres. Seigneur, ce matin, je prie pour toutes ces personnes dans les pays pauvres qui ne peuvent pas vraiment suivre les directives du coronavirus. Ces gens doivent manger du jour au jour. Ils doivent chercher le pain quotidien du jour au jour. Ils ne peuvent pas suivre les directives. Mais ce sont des gens qui sont mis à l'épreuve. Ils sont sur les routes de maïs. Que cette célébration nous ouvre à la joie de Pâques. Que cette célébration nous invite toujours à rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un, il est toujours présent sur notre route de vie. Il est Jésus. Il est le Christ. Et je lui demande de bénir nos routes d'Emmaüs et que nous puissions l'inviter à célébrer avec nous la vie de son Père dans nos familles, dans notre communauté et dans le monde entier. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse toutes les personnes qui travaillent comme Jésus pour ouvrir les yeux du cœur de chaque enfant de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mettons-nous debout pour proclamer notre foi et disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En nous souvenant que Jésus a invité ses disciples à prier avec ferveur et confiance, présentons maintenant à Dieu nos demandes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ensemble à la maison. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les baptisés soient de plus en plus conscients et conscients que le Christ Jésus est présent à leur vie de chaque jour, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui occupent des postes en autorité dans nos institutions civiles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les incompris, les persécutés, les désespérés, nous prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, appelée à la rencontre avec le réussite lors des célébrations eucharistiques, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, ce matin, nous prenons le temps pour prier pour toutes ces personnes, pour tous ces amis, ces frères et sœurs de partout sur la terre qui vivent ce moment d'épreuve, moment difficile. Il y en a qui ont perdu leur travail. Il y en a qui ont perdu des familles, des amis. Il y en a qui sont désespérés.
Il y en a qui se suicident. Il y en a qui ne savent quoi faire. Alors, Seigneur, ce matin, dans nos prières, nous portons tous ces enfants de Dieu. Et en même temps, nous portons notre espérance. Nous vaincrons ce mal. Nous vaincrons ce mal. Nous vaincrons ce coronavirus pour que nous puissions reprendre notre vie, notre façon de vivre. Nous te prions, Seigneur. Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il nous apporte sa paix, sa joie, sa vie. Accorde avec bienveillance nos prières et exauce-les pour notre plus grand bonheur et pour ta plus grande joie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons offrir exactement la deuxième partie de la célébration, qui est la célébration eucharistique. Nous allons demander à Dieu, nous allons déposer à l'autel de Dieu toutes nos intentions, de tout ce que nous vivons dans notre vie. Merci de chanter ensemble le chant de l'offertoire. Jésus, pour te chercher, mets sur mes pas cette clarté, un peu de force pour marcher, venir vers toi. Jésus, pour te trouver, mets dans mes yeux cette gaieté, ce goût du vrai pour discerner que c'est bien toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te chanter, mets dans ma voix des mots de paix, ces mots d'espoir et d'amitié, ces mots de toi. Jésus, pour te servir, mets dans mes mains ce grand désir de tout donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour, le vrai, pour tenir ma lampe allumée tout près de toi. Jésus, pour t'annoncer, mets dans ma vie cette bonté, la tolérance et le respect qui vient de toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille Seigneur les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le
le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Seigneur, toujours et en tout lieu, mais plus encore en ce jour, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple baptisé rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les uns dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, Seigneur, dans la communauté de l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est resté entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Dans diverses offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans ton lit, en sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et la grandeur de ta charité avec les chrétiens réunis ce matin, d'une façon exceptionnelle, à la maison. Nous sommes unis dans le cœur de Dieu. Nous sommes unis avec le Christ ressuscité sur le chemin de la vie. Et cette Église que nous sommes unis à l'Église universelle, avec le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Guy, tous les prêtres, moi ton serviteur, les diables, toutes les personnes qui travaillent pour la gloire, pour construire ce royaume de Dieu, et tous ceux et celles qui ont l'achat de tout. Permets-toi aussi de nos frères et de nos soeurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Prions pour Marcel Desforges, pour Lucien et Diane Dupuis, pour Roland Sabourin, pour Marie-Paul Saint-Ange, pour Yvan Savage, pour Hébert Lalonde, pour Gérard Marcille, pour Rivière Étienne, pour Gérard Pérus, pour François Monpetit, pour David Lortie, et pour tous nos amis, tous nos frères et sœurs qui sont partis cette semaine ou aujourd'hui vers la maison de Dieu. Sur nous tous enfin. Sur tous les enfants de Dieu,
sur tous les enfants d'Emmaüs qui se trouvent découragés, déconcertés, mais qui cherchent la vérité, qui cherchent à rencontrer Jésus, le ressuscité. Nous implorons ta bonté, ta paix, ta compassion, ta sainteté, ta bienveillance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils béni. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions pour toutes les personnes découragées. Nous prions pour le personnel qui travaille avec les malades, les médecins, les infirmiers, infirmières et tout le personnel médical. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui font du bénévolat pour servir. Nous prions aussi pour les chrétiens et chrétiennes qui continuent à être missionnaires, à porter une parole d'espérance, une parole de guérison en ce temps que nous vivons. Chantons ensemble. Miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de tes enfants rassemblés ce matin. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À la maison, on peut se saluer avec la tête, on peut dire la paix du Seigneur. Et la paix soit avec vous. Thank you.
pouvez les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, je vous souhaite le moment pour accueillir Jésus spirituellement dans votre cœur, dans votre maison, dans votre route d'Emmaüs. Il est celui qui viendra ouvrir nos yeux. Il est celui qui viendra nous envoyer en mission. Alors, adorons le Seigneur. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le pantis de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta présence sainte présente. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre mère que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime Jésus. Amen. Pendant le chant d'adoration, de communion, vous pouvez continuer à adorer Jésus en esprit. Tu traverses, tu fais ta demeure en nous,
Seigneur, nous te disons merci pour cette Eucharistie, pour cette rencontre, rencontre du cœur à cœur avec Dieu. Merci Seigneur de que tu sois toujours sur nos chemins pour nous ouvrir nos yeux vers ta lumière, vers ta sainteté. Seigneur, ce matin, je te prie pour toutes ces personnes qui sont aveuglées devant les idoles de la vie, devant l'argent, devant les honneurs, devant tout ce qui les empêche de voir, de rencontrer Jésus dans leur vie. Oui, ce moment nous permet de prendre du temps pour Dieu. Oui, ce moment nous permet d'inviter Jésus. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, car si Jésus n'est pas avec nous, ce sont les idoles de ce monde qui viendront nous aveugler. Les faux dieux, les faux bonheurs, les faux plaisirs. Quand Dieu n'est pas là, quand nous mettons Dieu dehors, nous voyons ce qui arrive. Reste avec nous, Seigneur. Reste dans notre petite vie, reste dans notre monde. Sois le maître, sois le délice de chaque personne. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, d'être sur nos chemins. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Deux, trois petites annonces pour terminer. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent dans ce ministère à travers Zoom, à travers cette façon de célébrer, de rencontrer les cœurs dans nos salons. Alors, Jésus vient nous rencontrer dans nos salons. Merci pour toutes ces personnes et qui ont la conviction de vivre notre vie communautaire de cette façon. C'est très important. Il y a un attachement à notre vie communautaire. Et je félicite à toutes ces personnes, peut-être, qui ont laissé Radio-Canada, qui ont laissé d'autres célébrations pour être unis avec nous ce matin. Alors, moi, je dis merci à tous ces amis, à toutes ces personnes de nos communautés qui se réunissent de loin ou de près pour célébrer ensemble la résurrection du Seigneur. Félicitations et merci. Deuxième chose, c'est que ce mardi, nous aurons toujours la messe à 19h. De très belles célébrations. La Pâque du Seigneur continue jusqu'à la fête de la Pentecôte. Alors, mardi prochain à 19h. Pour les personnes qui veulent célébrer avec nous encore, avec la communauté haïtienne, c'est le mercredi, toujours à 19h. Le jeudi soir, nous avons un petit dessert. C'est une heure d'adoration. Une heure d'adoration le jeudi soir de 19h à 8h. Et pendant cette heure d'adoration, nous faisons le chapelet et le reste du temps, nous le prenons dans le silence pour adorer le Seigneur. C'est à nous de devenir disciples d'Emmaüs. À nous de devenir disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs n'ont pas retenu pour eux autres, ils n'ont pas retenu Jésus. Une fois qu'ils ont rencontré le Maître, ils sont retournés apporter la bonne nouvelle. Alors, quelle est cette bonne nouvelle en ce temps de confinement? Envoie le courriel, envoie le lien et dire à d'autres personnes, viens passer une heure avec Jésus. Viens célébrer une heure en communauté avec Jésus. Une heure d'adoration, jeudi soir, de 19h à 18h. Et les messes habituelles, c'est dimanche prochain à 10h et pour la communauté haïtienne à midi. Merci de votre participation. Et je sais qu'il y a des personnes qui travaillent à la maison et qui nous permettent d'avoir de belles célébrations ensemble. Merci à l'équipe qui est ici ce matin. Merci de tout cœur pour votre bonté, votre générosité de venir célébrer avec nous. A-t-il autre chose? Non? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Je vais vous bénir avec l'encensoir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est le temps de savoir comment va la communauté, comment vont les gens. On va chanter le dernier chant de sortie, puis on va prendre un petit moment pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour vous, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et sinon, on va continuer à célébrer ensemble. Alors, c'est le moment de chanter le dernier chant. Merci et bonne journée. Alors, est-ce qu'il y a de petits commentaires, des salutations spéciales? Alors, moi, je salue à toutes les personnes qui nous ont regardé ce matin. Et je vous dis bonjour. Alors, s'il y a des personnes qui veulent en faire des commentaires, c'est le moment.